Hi Mina, c'est Kyu-chan. Et bien voilà, je vous retrouve pour la suite de Final Fantasy Dimension et nous sommes dans la grande caverne afin de peut-être retourner dans la zone du cristal, je sais pas. Alors ici, sur cette case-là ici, il y avait un behemoth. Est-ce qu'il y en a une de l'autre côté? Non, ok. Ou alors peut-être qu'on l'a tué et donc ça ne compte plus. Je vais fuir le combat ici. Zut. Mais voilà. J'essaierai quand même d'en faire quelques-uns parce qu'il faut quand même que j'en fasse. Hein. Un chouchou, ok. Ah non, pas le Harryman. Et pas le flambeau non plus. Évidemment. Bah, je m'en doutais un peu qu'il y aurait un coffre là-haut. En tout cas, je me doute qu'il doit y en avoir un à droite aussi. Non mais le flambeau, c'est chiant. Enfin, le flan. C'est pareil, flan, flambeau. Oups, j'ai oublié de mettre Skippy en silencieux. Excusez-moi. Je crois que vous l'avez bien entendu, le Skippy. Ah bah non, il n'y avait pas de coffre, comme par hasard, le troll. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-là? Un croc de tigre, ok. On va essayer de se les faire, ceux-là quand même. Je l'avais pas encore touché, donc c'est pas trop grave. Si je sens venir un boss, je transformerai Dusk en mage blanc pour avoir accès à la lumière. Ah, ok. Le coffre était en bas. Évidemment, une confusion magnifique. Vous savez quoi? Non. Il me reste plus qu'une d'air déco. Est-ce qu'en fait elle nous emmène dans une grotte où il y a également un miroir? Et que c'est là que notre équipe va se recroiser? Ça m'énerve. Le pire c'est que je le sais. Enfin je le sais, je m'en doute. Oh le behemoth. Oh le behemoth. Il me gonfle déjà le behemoth, hein. Je vous le dis clairement. Hein.
Ok. Donc non, c'est pas des cases piégées, c'est juste qu'apparemment, bah, il peut apparaître comme ça. Putain, le bémote! Bon, on le croise pas tant que ça va, mais il est juste chiant, quoi. Bon, maintenant, il est pas si dur que ça à buter, hein, quand on garde sa vie assez haute. C'est vrai qu'il m'avait fait peur la première fois, mais au final, il est pas si dur que ça à buter, quoi. Il est... Merde. Il n'est pas si dangereux. Ok. Il n'y avait rien en plus. Ah, vous savez ce qu'on dit? Un point de sauvegarde, surtout comme ça isolé, c'est que il y a une saleté qui m'attend. Donc je pense que je vais transformer Dusk en mage blanc pour avoir accès à Oli. On sait jamais. Attendez, d'abord j'ai transformé Dusk en mage blanc. Classe. Donc là il a accès à niveau 8, vous voyez. On a quand même accès à magie noire niveau 6, c'est quand même pas trop mal, hein. On est quand même pas mal. Magie plus 20%. Esprit plus 20%. Voilà. Je vais donc faire mon point de sauvegarde maintenant. Voilà. Et on y va. Oh! Il est largement plus classe, ce cristal. Un cristal! Il est aussi énorme que l'autre. Nous sommes arrivés à temps. Bien, je vais accomplir le rituel nécessaire. Mais tu as déjà brisé le sceau du sort de lumière. Cette fois, il s'agit d'un rite de succession. Vous hériterez de mon pouvoir. Ah! Donc, il y aurait vraiment une classe de sage, en fait. Pourtant, avec le mage blanc, on a accès à magie niveau 8. Ou alors, on obtiendrait magie niveau 8 sans être un mage blanc. Le cristal vous octroie le pouvoir des magistères. Ah non, on obtient bien la classe de magistère. Ok. D'accord. Quelle incroyable sensation. Le pouvoir des magistères court dans mes veines. On dirait que le rituel a fonctionné. Notre stratégie a porté ses fruits. Encore toi, Shango. L'Occident nous appartient. Impossible. Comment l'Empire a-t-il pu riposter si rapidement?
Oh. Mais les mages, là, ils ont pas de pouvoir magique. Est-ce qu'ils attendent pour s'en servir? Rendez-vous immédiatement. Ça sera pas nécessaire. Quoi? Bah oui, le cristal. J'ai l'impression que le bouleversement dimensionnel se produira sous peu. En effet. Monde des ténèbres. Ok, donc il n'y avait pas de combat pour l'instant. Dégainez vos armes. Elgo! Mais qu'est-ce que... Ah. Comment as-tu pu me repérer, vieille âme? Encore elle, une femme de son âge ne devrait pas se surmener autant. Qu'as-tu fait de Jinaï? Il dormira éternellement dans sa prison de glace. Tu nous le paieras. Ne vous inquiétez pas, vous irez bientôt le rejoindre. Attention! Ah, elle love la note combat. Cosite, ok. Elle est classe, j'avoue. Mais elle fait mal. Oh putain, les dégâts! On peut gagner au moins ou pas? Parce qu'avec les dégâts qu'elle vient de faire à Natch, là, moi je veux bien, mais... Comme par hasard, il est en stop. J'aurais peut-être dû mettre barrière, ouais, tant pis. Ah! Ah ouais, non, d'accord, on peut pas gagner, ok. C'est scénarisé, on peut pas gagner. Ah! Elle est trop forte! Notre reflet, il scintille. On dirait presque l'éclat d'un. Comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a jamais eu de cristal dans ce temple. Toutefois, votre courage, votre conviction, votre amitié, tout ce qui vous unit est la source de l'éclat d'un cristal. Vous apprenez Météore, le sort de magie noire ultime. Ouais, génial. Natch et ses compagnons peuvent désormais utiliser la magie noire de niveau 8. Ah ouais, d'accord. Tous les quatre d'un coup, allez hop. Le sort de magie interdit, comment avez-vous? Vous le regretterez, ces ruines sont votre tombeau. Non. Son masque. Quoi? C'est impossible. Ok, l'ennemi s'enfuit. Ok. Elgo. Tenez bon. Le reparti de moi, vous devez. Donc on va obtenir le dernier job, celui du sage noir, je suppose. Les sorciers, voilà, c'est ça.
Mais deviens cette lumière. Grand ancien. Le moment est enfin venu. Je n'y vois plus rien. Le monde va reprendre sa forme. Comme dans le temple de Lux. Que se passe-t-il? C'est un autre bouleversement dimensionnel, je suis certaine. Le monde, il... Il va refusionner. Le monde retourne à la normale? Ok. Bah oui. Et donc on serait à l'ultime chapitre. Bon, on a encore du temps, hein. Ça fait même pas 20 minutes. Devant la caverne. Ok, on a été éjecté de la caverne. Où sommes-nous? À l'extérieur de la caverne géante. Le bouleversement dimensionnel a dû nous téléporter à la surface. Et tout est comme avant? Espérons-le. Alors Diane et Glaive sont de retour? Diana. J'ai déjà vérifié, ils sont indemnes. Comment t'as pu? Ah oui, par le... Allons les retrouver maintenant. Pas si vite. Quelque chose m'inquiète. Comme vous pouvez le constater, l'entrée de la caverne géante a disparu. Il est donc possible que la caverne elle-même ait disparu. Vous voulez dire qu'elle n'existe plus comme... Comment est-ce possible? Il y a sans doute eu des effets secondaires. Au fait, qu'est-ce qu'il y avait à Shango? Il y en a quand même un qui se pose la question, hein? J'ai un mauvais ressentiment. Retourne à Missidia. Oui, Missidia. Dépêchons-nous. Quand même l'impression que des choses ont changé, non? Il est où mon vaisseau? La ville est déserte. Encore un effet secondaire? Je ne peux pas en être certaine. Mais le monde n'est plus divisé en deux, non? En théorie, oui, cependant, je n'ai pas rêvé cette éventualité. Serait-ce une anomalie? Qu'est-il arrivé à Diana et Glaive? Je suis sûre qu'ils sont hors de danger. Il faut à tout prix les retrouver. Bien, je resterai à Missidia afin d'élucider ce mystère. Je te confie l'exploration du monde extérieur, Dusk. Entendu, grand ancien. Allons-y. Okay. Mais mon vaisseau, il est où? Où est l'aéronef du docteur Lugay? Aurait-il disparu comme l'entrée de la caverne géante? Alors on est mal parce qu'on est entouré, on est entouré de montagnes. Nous devons attendre, nous attendre au pire.
Que veux-tu dire par là? Il pourrait être tombé dans une fente dimensionnelle lors de la restitution du monde. Quoi? Alors, eux sont toujours à l'intérieur, hein. C'est tout? Rien ne semble avoir changé. Espérons que t'as raison. Hein? Eh bien, vous comptez rester planté là pendant des heures sans nous d'ici. Retournons à Lufenia. D'accord. Est-ce qu'on y est popé directement? Ouais, on y est popé directement. Enfin, presque directement. Lufenia est déserte aussi. En fait, est-ce qu'on est vraiment dans le vrai monde ou est-ce qu'on est dans un monde parallèle où il n'y a plus personne sur Terre? Il n'y a personne! Où sont passés les habitants du village? C'est peut-être une conséquence involontaire du bouleversement dimensionnel? Qu'est-ce que tu racontes? Le monde n'est pas complètement revenu à la normale. On dirait qu'il manque certaines parties. Alors seul est mon frère pour avoir disparu? T'inquiète, les autres sont sains et saufs. Le ciel soit loué. Quel soulagement. Que comptez-vous faire maintenant? Essayons d'abord et avant tout de rester en vie. On se souciera du reste plus tard. Bonne idée. Uh-oh! Ah eux, par contre, ils sont là, hein. D'accord. Oh non. Oh non! Mais qu'est-ce que... Magnifique. Io et le docteur Lega, ils sont toujours vivants, je suis certain. Moi aussi. Ben les voilà, suffisait de demander. Regardez! Mais oui, qui vous passez? Nous commençons à nous inquiéter. C'est RG qui a tout fait. Io? Elle n'a pas hésité. Elle a décollé dès qu'elle a détecté une anomalie spatio-dimensionnelle. Je me faisais tant de soucis. Dites-moi, le monde est-il revenu à la normale? Ça veut tout dire, ça. Que s'est-il passé? C'est difficile à expliquer. Laissez-moi vous le montrer. Maintenant que j'ai enfin accès à tout ça. Ah, je vois. Le magistère, il est là. Maîtrise tous les sorts de magie. Or, maîtrise tous les sorts de magie blanche. Tous les sorts de magie blanche. Donc on est obligé d'avoir le magistère si on veut avoir accès à la lumière. Tout comme on devra avoir le sorcier si on veut avoir accès simplement au dernier, à Météore.
peux pas lui mettre magie noire? Ah si. Ah bah non, c'est magie noire niveau 6. En même temps, est-ce que j'ai envie de lui mettre magie noire? Parce qu'en fait. En fait, Sarah, elle est en invoker depuis le début. Et je pourrais peut-être la passer elle maintenant en mage noir en fait. Et lui rendre justement les capacités de l'invoqueur. Ça pourrait être pas mal. Alors, attendez. Comme ça, je garde quand même deux mages dans mon équipe. Voilà. Et les autres, ils peuvent rester comme ils sont. Je crois que je vais faire un cliffhanger. On va s'arrêter là. Je vais sortir, faire un point de sauvegarde. On est soigné, on est bien, oui. Donc je vais faire un point de sauvegarde. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé, que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch où je fais d'autres vidéos. Et moi je vous dis, ciao tout le monde!